Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est la suite de Dragon Quest Treasure. On est au 7ème épisode, toujours en live. Et on va continuer notre aventure. On était donc dans les basses terres, il me semble. Ça s'appelle comme ça. Où il fait vachement froid et où j'ai failli vécreux. Je suis mort, hein, clairement, la dernière fois. Donc là, va falloir un peu reprendre l'aventure en étant un peu plus prudent. Donc, qu'est-ce que j'avais exploré la dernière fois? Que je me rappelle un peu. Parce que c'est vrai que je joue pas très souvent au jeu. Du coup, j'ai tendance à oublier. Ok, donc faut que je continue vers le nord. C'est bien ça, parce que là j'ai fait pas grand chose pour l'instant. J'ai pas exploré grand chose. Ici il y a quelque chose. Ah, il y a la princesse Anémone qui aimerait me voir, pourquoi pas. Comment j'accède ici? J'ai l'impression qu'il faut que je monte. Ou alors c'est peut-être pas pour tout de suite, parce que j'ai l'impression que c'est un peu bloqué comme chemin. Si on regarde un peu la map bien comme il faut. Ah, je sais pas. Bon, on va avancer, on va suivre le chemin pour l'instant. Donc du coup, a priori, c'est par là qu'il faut aller. Après j'aimerais bien faire demi-tour, aller voir la princesse, voir si je peux. Je vais faire ça. Alors attendez. Non, juste m'envoler. Enfin pas m'envoler mais hop là voilà. Rassemblement pardon. Je spam rassemblement là pour qu'il reste. Si je vais par là. Comment je peux aller retrouver la princesse? Attends. Là? Ah mais là, il n'y a pas de chemin possible en fait. Ou alors c'est avec le lac? Ah, c'est peut-être avec le lac. Peut-être que je prenne le lac. Je nage. Peut-être que... J'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose d'intéressant là. J'explore un peu, hein, écoutez. Je vois une quête possible un peu plus loin. J'ai envie de m'y rendre. Tiens, on va... Ah mais là je retourne au chemin initial. Attends, est-ce qu'il n'y aurait pas un passage par là? Petite exploration par là. Attends. Attends, what? Je suis passé où là? J'essaye de me repérer un peu avec la carte pour me faire des repères, mais... J'ai du mal. Ah non, là en fait je viens juste d'arriver à une nouvelle zone. Ok. Bon, en vrai je continue par là, point barre. On verra. Donc là il y a des vampivoles givrés. Oh, c'est cool ça. Rebelle Kanto. Faut que j'esquive. Aïe, bah j'ai pas pu esquiver. Ah, ah ils mettent un peu cher. Allez, en avant. Ils ont l'air d'être en galère quand même sur un seul vampivole quoi. Ah mais frère, ils ont même pas achevé l'autre. Ma gueule. Oh. C'est bon. C'est bon. Ok, est-ce qu'il y a des trésors dans le coin? Alors attends, comment on fait déjà? Ça. Oh, il y a un trésor par là. Je suis allé un peu trop vite. Il y avait potentiellement un trésor par là. Attends. Ah ouais, ok. Il serait par là. Ouais, c'est un peu chiant. Je pense qu'il vaut mieux pas chercher pour l'instant. On va continuer d'avancer. Donc vous voyez, la princesse Anemone, elle est par là. Je sais pas trop comment je peux accéder à là-bas, mais bon. Pour l'instant, on tape eux. On se bagarre un peu. Ouf, j'ai mis un sale combo. Puis attendez, j'ai une quête, état sauvage. Tac, voilà. Voilà, je deviens un loup-garou. Tout, 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 tout. C'était une petite quête que quotidienne j'ai regardé avant de commencer l'épisode. Il y avait ça à faire. Oh, attends, quoi? Quelqu'un a laissé tomber un trésor? Oh, j'ai dressé un vampire givré, let's go! Le chauve-souris. Et il y a un coffre par là, on me dit. Ah, tiens. Ouf, il s'est fait un peu démonter. Ah là, parfait.
Une épée. Peut-être que c'est... Ouais, une épée d'un héros, on sait pas lequel, de quel rang de quest, mais c'est une épée. Alors, si je monte par là, est-ce que... Je peux trouver peut-être... si, il y a l'air d'avoir des chemins qui se dessinent par là. Est-ce que il y a à nouveau... Oh, il y a un trésor. Bah, vers la princesse, en fait. J'esquive un peu. Oh, quoi? Bah, j'y suis retourné dedans, comme un débile. Torpeur. Oh, pff, il s'est fait victime, hein. Ils sont quand même violents, mes mobs, hein, franchement. J'aime bien. Ah, et voilà, là, vous voyez un trésor. Il y a un trésor vraiment pas loin du tout. Proche. Est-ce que je peux continuer de grimper? J'ai l'air de pouvoir continuer de grimper. Ah, mais là, ça me renvoie pas trop là où je vais, en fait. Si je vais là... Aïe. Ah, je me suis fait un peu déglinguer. Pas serveur du mana quand même pour une fois. Ah ok. Alors, écoute, ça va tranquille, hein, on va faire deux petites heures de Grand Quest Rangers. C'est très précis, franchement l'emplacement est très précis là. C'est là? Mais ça c'est autre chose je crois. C'est celui qu'ils ont vu ou c'est un autre celui-là? J'ai l'impression que c'est un autre. Je sais pas. Ok, donc c'est... après avoir eu une épée, j'ai une dague. Let's go. Ah non, ok, c'était bien celui-là. Ok. Donc je suis revenu ici. Du coup, attends. Ah si, c'est par là la princesse, ok. Ouais, on va continuer par là. Et après on va retourner vers le chemin. Ouh, le golem de glace là il me fait un peu peur. En vrai il a l'air stylé, hein. Après il est très lent, donc je pense en vrai... Enfin ouais, il est tanky, il doit faire mal, mais il est très lent, faut juste, voilà. Faire gaffe, bien se placer et... Voilà. Oh ouais, ça va. Il se fait facilement. Mousse Sélène, ok. Faut que je pense aussi à utiliser mes combos avec mes mobs. J'y pense de temps en temps. Ici, attends, qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, attends. Oh, elle est là, la princesse, elle est cachée là-dessous. Je me disais, c'est bizarre, il a l'air difficilement accessible ce chemin. Bah, je peux pas passer en dessous. Ah, attends, faut peut-être utiliser. Ah, oui, en effet, c'est le même logo. En effet. Oh. Oh, intéressant. Comment je sors de la truc? Bon, on sort pas, je crois. Il y a des gluantines. Let's go. J'ai trouvé des salades savoureuses. Miam, bon appétit, hein. Bon appétit à tous. Glugoutte. Oh, la reine gluante! Oh là là, incroyable! Attends, on va s'occuper des sbires d'abord et après on s'occupe de la reine gluante. Elle a pas l'air de nous calculer en vrai pour l'instant. Elle a vraiment pas l'air de nous calculer. Oh, si je peux la dresser, elle, ce serait vraiment incroyable. Ah, ça y est, elle nous a aggro. Je pense qu'on va claquer un combo pour elle, genre, attends. Non merde, c'est là. Alors vas-y, on teste un truc. C'est quoi ça? Ah oui, main d'or. Pesant d'or. Ah, je l'ai one shot et je l'ai dressé. Oh, let's go. Let's go. Incroyable. Tiens, il y a un truc là. Médaille de gluantine, let's go. Est-ce qu'il y a des médailles que j'ai pas encore mises? Le temps pour la quête métal des écoleries est écoulé, il semble que vous n'ayez pas réussi à la terminer dans le délai imparti. Ah oui, bon ça on s'en fout, le nombre d'or était à 0% là-bas, donc en vrai on s'en bat les steaks. Honnêtement.
Donc là, il y a la princesse. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait là? Je ne sais pas. En tout cas, moi, je débroussaille la zone. Hein. Bonjour. Hein. Oignon ballon, ouais. Oh putain, il y a trop de trucs. C'est abusé. Il y a vraiment trop de trucs. Il y en a encore là-bas. Ok, bon. Je sais pas si c'est une zone un peu cachée et tout, auquel je suis censé aller plus tard, mais... Putain. Bonjour, toi. Je peux pas te parler? Merci. Ma maîtresse, j'aurais été intéressée par le mystère de l'histoire, ok, d'accord. Tiens Eric, je ne m'attendais pas à te voir ici. Moi, j'étudie juste ce monument en pierre. On en trouve plusieurs sur ces îles. Il paraîtrait que les plus grands secrets de Draconia sont gravés dessus. Mais je ne peux pas tous les étudier seul, alors j'ai envoyé certains membres de ma garde personnelle examiner de plus près les monuments qui se trouvent sur les autres îles. Et aucun d'eux n'a donné signe de vie depuis un certain temps et je commence à m'inquiéter un peu. Ah. Si jamais tu croises leur route, pourrais-tu t'assurer qu'ils vont bien? Bien sûr, oui, oui. C'est merveilleux. J'avais l'intuition que je pouvais compter sur toi. Mes gardes sont partis explorer les autres îles de Draconia. Pourrais-tu les retrouver pour voir comment ils vont? Ah oui, donc... Dorsale de feu, lande suspendue, cola, Harry, d'accord, ok. Pourrais-tu jeter un petit coup d'œil pour moi? Ouais, ouais, ouais. Après tout, j'imagine que les secrets qu'ils renferment pourront t'intéresser toi aussi. Tu vas déjà être bien occupé. Merci encore, Eric. Bonne chance. Ah, on est bien occupé, hein. Clairement, là, je ne sais pas où donner de la tête. Oh, il y a un roi gluant aussi, j'avais pas vu. On va balancer un petit combo là. Sur eux. Allez, hop. Spirale infernale. Ouf. Attends quoi, mais c'est les one-shot vraiment? Oh, c'est aberrant. Il faut que je m'en serve plus souvent en fait. Ces trucs là. C'est aberrant. Oh, il y a un coffre. Let's go. Ah. Ah, je suis déçu là. Impossible d'ouvrir le coffre pour l'instant. Je suis très déçu. Du coup, pourquoi il y a un nouveau... Attends, il a changé de couleur le point d'exclamation. Comment ça se fait? Attends, il me demande d'examiner ça. Des runes en sera sans avoir été gravées sur le monument, mais Eric n'y comprend absolument rien. Il doit s'agir d'un des deux monuments dont parlait la princesse Anémone, et coup de chance, je suis capable de déchiffrer ce qui est inscrit dessus. Ah! Ok. Aux créatures peuplant ces nouvelles terres, ils conférèrent le don de percevoir les trésors du monde. Padra leur permit de les voir et Madra de les sentir. Père et mère, en gros, ouais. Attends quoi, j'avais une quête? Trouver le monument? Hein? Attends quoi, c'était quoi ma quête? Bon, je sais pas du tout. En tout cas, j'ai trouvé une... Enfin, un monument. Apparemment, c'est cool, mais je sais pas du tout à quoi ça correspond. Écoutez, on va continuer notre chemin. Tiens, je vais juste regarder un peu la carte. Est-ce que le nombre d'or, il bouge ou pas? Toujours 50%. Prévision précieuse. Ouais, c'est toujours zéro hein, les autres, c'est terrible. Hein. C'est vraiment... Ici, c'est clairement mieux. Hein. Il y a un coffre là-bas, je vais y aller. Hein. Hop, on y va. Tiens, qu'est-ce que j'ai ramassé ici? Non, trop de trucs. Il y a trop de trucs, c'est terrible. Morceau de Bionix. Ça a pas l'air hyper rare la Bionix, hein, parce que j'en ai déjà trouvé pas mal. Oui, donc là je ne peux pas, super. Comment je sors déjà de cet endroit? Par là sinon. Moi ça a l'air d'être par là sinon. Vas-y, tac. On avance. Ouf, il y a un autre golem de glace. Attendez, je vais le one shot. J'ai très envie. Quoi? Je peux pas? Je ne peux pas. Bah super. Pourquoi je peux pas? Là, il va faire un maelstrom l'autre. Ok. Oh, je suis assez haut level hein, franchement. Vous avez dressé un golem de glace. Let's go, ça va. Nice.
Alors, comment je rejoins l'autre chemin? Ah! Ah! Ouais. Un petit trésor. Ouais, fuis! Oh! Oh la pauvre! Ok, ici. Nice. Ah, y'a plein de trésors. Yo, d'Armagnac! Ok. Charlene reçoit le trésor, parfait. On va passer par là et on va essayer de rejoindre à nouveau le chemin principal. Ah, c'est ici, ouais, c'est juste que genre. J'ai un peu quitté. Bon, je pense que les meubles là ils fuient maintenant. Ah non. Ah non, ils fuient pas. Par contre, c'est un massacre. Hein. Vraiment, ils peuvent rien faire. Donc par là. Par là la suite. Hop. On grimpe, on grimpe. Ah, ici c'était le chemin. Ouais, c'est bien par là. Attends. Je check souvent la carte en mode pour être sûr que j'avais pas n'importe où histoire de pas perdre 3 plombs comme l'autre épisode là où j'allais n'importe où, je savais pas où aller, c'était terrible. Bon, très clairement, ouais, vas-y, on va aller vite fait, mais. Franchement, pas trop besoin. Oh, ils sont démontés, hein. Bon, moi j'avance hein, tranquillement. Les mobs ils vont me rejoindre. J'ai entendu un bruit, ils ont trouvé un trésor? Ah non, j'ai rien. Est-ce que je peux le finir lui là-bas? Mince. Pas la peine de le finir du coup, MDR. Mais il y en a plein qui. Quelqu'un a fait tomber un trésor, merde. Ah, ça c'est malin ça. Pas me focus, c'est bon. Si, il me focus. Ok, c'est bon. J'ai eu le temps. Comme on va, bah tranquille, hein. On fait une petite séance tranquillement. Petite séance de DQ Treasures. Toujours chillax, hein, à fond. Toujours très cool. Oh, il y a encore un vampivol. Eh, c'est bon. Arrêtez. Ils sont 36 000. Voilà. Je ramasse quand même les loots. J'ai l'impression qu'ils spawnent à gogo ici, c'est terrible. Allez, on avance. Alors, il y a un petit trésor par là. Voilà. Je n'avais plus de place. Oh non. Tu te fous de ma gueule là? Je n'ai plus de place. Et comment je fais? Et t'es sérieux? Ah non, je vais pas l'abandonner. Attends, mais quoi? Tu te fous de moi? Comment je fais du coup? Je suis obligé de back? Sérieux, moi j'étais bien là avec tous mes trésors à trouver là, et là on me dit que j'ai plus de place. J'ai une gare ou pas pas loin? Gare de Grand Séant. Est-ce que j'ai de quoi la restaurer? Vas-y, hein, je vais la rusher et on va essayer de la restaurer. Alors, toi. Des têtes froides. J'en ai pas. La sanguinite, j'en ai un, mais j'ai pas de tête froide, donc c'est de la merde. Globalement. Où est-ce que je peux trouver des têtes froides? Oh, c'est chiant de pas avoir les matériaux. Je vais dormir et après je sais pas. Putain, il me trouve des trésors mais j'ai plus la place, ça dégoûte. Faut que je fasse demi-tour hein, je pense. Et c'est qu'après faut que je me retape tout le chemin. C'est bien le problème.
peux rien casser là. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va claquer une aile de chimère. Et voilà. Parce que là, le problème, c'est que j'ai plus de place. Alors. Quelle est cette chose? Statue d'Olivier. Ah d'accord. Tatouage de costaud. Ok. Bague de prière. Ouais. Hache de fer, d'accord. Ça c'est une armure de pique. Armure sans pique, pardon, excusez-moi. J'avoue que les piques ils sont pas fous là. Épée large de fer, ouais, ok, très classique. Que de lapin, bon. Dague divine. Dague d'assassin, ok. Ouh, presque 1 million. Pas mal. Plus 62%, valeur totale, ok, pas mal. Pas mal du tout. Trouver des trésors, donc ok. Le campement servait à rien du coup. Ah, et les prévisions précieuses changent du coup. Ok. Ça marche. Ouais, donc je vais pas retourner sur l'autre île en fait. À l'état sauvage, c'est fait. Poudre fine dégageant. Sélène, ok, c'est mes récompenses. Génial. Ici, il faut que je fasse de la monstrovision au lance suspendu. Ouais, mais est-ce que je vais y aller? Je suis pas sûr. Hein. On va voir les nouvelles prévisions. Trésor draconien, ouais, je trouvais des trésors. Et du coup, journée bien remplie, il faudrait que j'ai terminé l'autre quête. Et du coup, ça veut dire, est-ce que je vais aller au land suspendu faire de la monstrovision? C'est pas sûr, ça. Fallait que j'aille voir Mademoiselle Michine, là, ou je sais pas quoi, après. Je sais plus. Faut que j'aille voir aussi mes nouveaux mobs. Est-ce qu'il y a du nouveau? Bon, les recrues potentielles. On a un peu beaucoup. Frida. Ok, bah oui, je recrute, hein. Attends. Geoffroy. Très drôle, ça. En vrai, lui, j'ai trop envie de recruter, mais je peux pas. C'est un mob, en vrai ça a l'air argent donc je pense que c'est un meilleur mob que celui-là. Je sais pas. Niveau 15, ah bah non mais je recrute celui-là en fait. Je crois qu'il va falloir que je fasse du tri hein, et que j'entêche certains. Hein. Il y a Gluana là, j'ai l'impression que c'est un mob super fort. J'ai très envie de voir. J'ai pas de quoi. Ok, Frida, ouais. Clairement, on prend. Il y a 20 deals, hein. C'est un autre condor. Ok, non. Jo Shefa. Vas-y, hein. Oh là là. J'ai trop de gros crus, en fait. C'est terrible. On va passer les petites cinématiques là, c'est bon. Lisiette, vas-y hein. Ah, je peux pas, ok. Toi, Dracula. Toi, je peux pas, il me faut des trucs. Ombroise, oh attends, il y a un truc arc-en-ciel. Non mais c'est un truc de dingue. Donc Geoffroy, je pense que je m'en fous un peu. Toi aussi, je m'en fous, t'es level 9. Toi, je sais pas, je suis un peu intrigué. Il y a lui là. Level 24, what the fuck. Violence, ouais mais du coup j'ai déjà recruté une orque femelle. Une reine orque, je crois que c'était plutôt le nom du mob. Dracula. Vas-y, je vais recruter. Oh, il y a Venti aussi. Hop, donc je passe les cinématiques, on a compris, on les recrute, machin, c'est génial. Hop. Ah. C'est bon, je pense qu'on a compris. Ok.
Je vais réorganiser l'équipe maintenant, mais je vais faire ça chez monsieur Firmin là. Donc je regarde les prévisions précieuses aussi. Ok, 25, 33. Ouais, 0% lande suspendue, laisse tomber quoi. Ok, bon. Il y a un... Ouais, il y a pas grand chose, hein. Je pense que j'irai à la dorsale de feu et j'envoyais les autres ailleurs. Dorsale de feu, il me faut le bonhomme bleu et des dragons. Un type de trésor. Vas-y, on va voir quels mobs sont intéressés par ça. Ah tiens, attends, ils sont de retour eux. Top succès. Nice. Statue d'Amos, ok. Pas mal. Grosse patate, gemme jaune, ok. Ils sont un nombre d'or à 100. Ah vas-y, je les renvoie du coup, hein, MDR. Je comprends pas. Pourquoi ils sont toujours à 100 en nombre d'or? C'est quoi ce délire? Réorganiser, donc du coup, on va voir un peu. Alors, Su Hélène, t'as la statue de héros, c'est pas mal, elle aime bien. Est-ce qu'il y a des mobs qui aiment... Ah oui, attends. Toi, c'est quoi, Clank? Ah ouais, mais il est moins fort, je crois. Après... Vol plané. En vrai, je vais remplacer toi par toi. Parce qu'elle a un trésor préféré qui correspond bien. Et lui... Personne qui a des dragons en statue préféré, en trésor préféré. Sinon je ramène lui, hein. Ok. Grosse patate, super, terre aride et gemme jaune, c'est ça, non? Ok, non. Alors. Alors la salle du trésor en hausse, ok. Oh, j'ai développe. Attends, je suis level 4 du coup là. Donc j'ai accompli un objectif là aujourd'hui. Alan le diplomate a rejoint la base. Parfait. Un diplomate est arrivé à la base. J'adore le jeu de mots, c'est trop. Retrouvez-le devant la gare et il vous aidera à tisser des liens avec d'autres clans. Ok. Ok, ok. Ils sont en expédition. Oh, je peux envoyer une deuxième équipe. C'est incroyable ça. Attends, je peux envoyer deux équipes en expédition maintenant. Bien le bonjour Eric, le nombre de trésors que vous avez ramassé jusqu'ici est pour le moins époustouflant. Bien, si vous n'y voyez aucun inconvénient, j'aimerais vous présenter quelqu'un, c'est un très bon ami. C'est l'autotomate là. Je suis Alan, le diplotomate, voilà. Monsieur Edgar m'a fourni les données relatives à votre clan, assistance potentiellement requise. Je peux vous mettre en relation avec d'autres clans basés dans des emplacements éloignés du vôtre. Vous cachez un trésor dans un endroit, l'autre clan a pour mission de le retrouver. Objectif, amusement collectif. Si cette activité vous intéresse, revenez me parler. Ça sert à quoi? Honnêtement. Ça sert à quoi de cacher un clan pour les autres et qui s'amuse? On s'en bat les couilles. Ici c'est réveil et rivalité à fond, hein. Faut pas croire, hein. Ok. J'allais oublier, j'ai également un message de la part du contremaître. Comme vous le savez, il allait inspecter cette porte qui se trouve au fond du dédale. Ah, il dit être parvenu à l'ouvrir, vous devriez aller voir ça sans entendre. Que de retournement, ça n'a... Ah mais on y va directement, ok, on n'a pas le choix en plus. Oh là, que de retournement, ça s'enchaîne. Oh là, incroyable. Alors, qu'est-ce qui se cache au fond du dédale? Bonjour, tu vois, j'ai réussi à défoncer la porte.
Merci pour tous vos efforts, monsieur le contremaître. Maintenant, voyons ce qui nous attend. C'est un téléportail, non? Je me demande où il mène. Mieux vaut rester prudent, il y a sans doute des trésors de l'autre côté, mais cela pourrait s'avérer périlleux. Ah, si on retourne chez nous, c'est embêtant, hein. Oh, on dirait que le contremaître a repéré quelque chose. Nous pourrions aller voir ça de plus près quand tu auras un peu de temps. Ouais. On peut explorer le dédale. Il y a trop de trucs à faire. Nouvelle quête, faites progresser le plan jusqu'au niveau 6. Ok. Donc là, il y a des coffres, génial. Formule de la bille, soin partiel. Ça y est, je peux. Oh yeah, je peux fabriquer des billes. Nice ça. Les nouvelles recettes viennent enrichir la carte du café blanc manger. Les nouvelles formules permettent de. Il vous suffit de dénicher les ingrédients et les matériaux requis. Vous pouvez acheter des recettes, des formules dans les boutiques ou dans les gares. Ah, la thune va enfin servir, ok. Pensez à apporter les recettes et les formules que vous avez trouvées au café blanc manger ou à la fabrique. Je ne connais pas ces endroits, hein, vous m'excuserez. Et là, sanguinite. Ok, nice. Pratique. Dites-moi qu'on en a plusieurs. Deux morceaux. Bon, okay. C'est mieux qu'un, mais c'est pas beaucoup. Pas beaucoup, je suis déçu. Ok. Là, il y a quoi? Il y a rien, non? C'est quoi ça? Eric, il ne comprend absolument rien. Ok, cette fois, Persiana ne peut pas décrypter. Ça marche. Ici c'est la sortie. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Je demande bien ce qu'il y a là-dessous. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Il faut creuser. Va faire un tour et je te règle le problème en deux coups de cuillère à peau. Si tu n'as pas envie de remonter tous ces escaliers, sélectionne rejoindre la place depuis le menu principal et tu te retrouveras en haut en un clin d'œil. Ah ouais, d'accord, vraiment un truc de feignant quoi, c'est. Bon, tant mieux, j'ai envie de dire. Vous voulez vraiment franchir le portail maintenant au niveau moins 1, niveau recommandé 10. J'ai peur. Qu'est-ce qui va se passer? Wesh. Je vais où là? Parce que. What? Y'a rien? What? Attends, quoi? Qu'est-ce que. Y'a rien? Et ça sert à quoi? Attends, quoi? Vers le niveau suivant? What? Attends. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? What the fuck? J'ai dressé un vampivole sinistre, ok. Bah, pourquoi pas? Que... Ouais. C'est cool, mais... D'accord. C'est garanti les dressages ou comment ça se passe? C'est juste un truc pour... Ok. Ouais, c'est une petite épreuve en fait. Médaille d'orc. Attends, j'ai rêvé. Les autres coffres ont disparu. Fallait en choisir un seul. C'est bien ce que... Je rêve ou vraiment tous les autres coffres ont disparu? Oula. Ça fait un peu mal. Et attendez ça, jusqu'à quand? Ah.
J'ai versé une nymphétide, ok, ça continue. Ah, bonjour. Cra, cra, je suis un marchand itinérant, vous savez, malheureusement, j'ai perdu mon chose depuis que j'ai atterri ici par erreur. Alors, je ne compte pas me laisser abattre. Alors, vous voulez m'acheter quelque chose? Voilà. Oh, let's go. Oh, mais je vais mais... Je vais spammer, m'en fous. Et regardez la thune que j'ai, moi je m'en prends 50, hein. Hop. Voilà. Ah, ça soigne pas ça? Ok, bah j'en prends plus. Voilà. Ah, parfait. Qu'est-ce que je peux vendre? Ah, je peux tout vendre. L'étendre. Let's go. Bon, on s'en fout. Ok. Bah, c'est cool. Let's go. Vas-y, hein. Viande de mabre. Ah, c'est garanti les dressages. C'est clairement garanti. Oh! Ok. Ça dure combien de temps? Ok, je dois choisir un seul trésor. Intéressant. Oh, il y a un boss. Oh, let's go le boss. Oh, je vais lui mettre mes meilleurs combos. Alors, allez. Plus d'étoiles. Je sens que ça va pas fonctionner. En fait, je vais faire tous les combos. Alors, de l'or contre de l'or. Oula, vite, bille. Rien. Je peux pas. Ah, ma jauge de dague n'est pas remplie, ok, ça marche. Ah, ça dépend de ma dague. J'apprends des trucs, incroyable. Attends, je vais faire le dernier combo. Giga gâche, yeah. Comment je l'ai éclaté? Oh, le Goliath d'or. Oh, il a pas kiffé. Let's go. Médaille d'armure errante, ok. 5 morceaux de sanguinite. C'est exactement ce que je voulais en fait. Bah, let's go. Nice. Oh tiens Mia, salut. Comment ça, tu vas voir ce qu'il y a de l'autre côté du portail? Je viens avec toi, pas question que tu sois le seul à t'amuser.
Oh, il est beau ce coffre au trésor. Ouvrons-le. Yaouh, c'est encore une de ces tablettes de pierre. Espérons qu'on en apprendra plus sur les sept pierres. Ce serait bien. Bon, voyons ce que ça dit. La corne d'ambre repose auprès d'un colosse écarlate, le roi de la montagne embrasée. Ok. C'est au sujet d'une autre pierre de dragon, la corne d'ambre plus précisément. La montagne embrasée, c'est sûrement la dorsale de feu. Oui, et si on arrive à trouver ce colosse écarlate, la corne d'ambre sera à nous. Ça m'étonnerait que ce soit simple, mais c'est pour récupérer une pierre de dragon après tout. Ok. 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 Vous avez découvert de nouvelles informations concernant la quête, la corne de géant. Voulez-vous que cette quête devienne votre objectif actuel? Non? Ouais, ok. Vraiment, il y a trop de trucs, je sais pas quoi faire. Bon, maintenant qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? Y a trop de trucs. Vraiment, il y a trop de trucs, les quêtes, ça n'arrête pas. Quête principale, la corne du géant, trouver le colosse écarlate, non. Faites grandir le clan. Ok, il faut que je fasse progresser jusqu'au niveau 6. Ça marche. Explorer le dédale. Terminé. Super. Faut que j'aille trouver des gens. Ah oui, c'est vrai. Putain, il y a trop de gens à trouver. Restauration, garder terrasse. Donc ça, c'était bon. Rapporter de la sanguinite. Ah oui. Intermédiaire, entraînement, il y a trop de trucs, c'est terrible. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Est-ce que la prévision a changé? Dorsale de feu. Oh! Ok. Dorsale de feu sera la prochaine destination. Ok. Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour YouTube. Ça fait un bon épisode, je pense, qui a duré ouais, 45 minutes. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Donc là, vous avez vu qu'on a quand même fait pas mal de choses. Et on sait déjà ce qu'on va faire la prochaine fois. Pour une fois, hein, je ne suis pas paumé. Je sais qu'il faut aller à la dorsale de feu, hein, très clairement. Le jeu nous dit que ça, hein, très clairement. On a vu une tablette sur un trésor là-bas. On a vu que le nombre d'or il est à 70%. Enfin voilà, donc c'est vraiment notre prochaine destination. Donc sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.